Dispersez-vous. Assalamu alaikum mbokk yi, comme ni len ko waxé, actuellement ñoo ngi ci hôpital Amadou Sahed Mbaye, mo nga xamanteni mom mo wara nek site de recasement ou site de traitement ou malade yi nga xamanteni dans l'avenir ñom ñoo na la jël ñi fébaré ci coronavirus. Donc amna ay travaux d'aménagement yu ñi def pour beaucoup plus de sécurité. Gis nga ñi ngi nek né en chantier. Il y a aussi ben ambulance buñu mettre à leur disposition. Donc ñoo ngi dugg ci biir exactement fiñu wara def ko malade pour que ñu mëna am touti ki. Donc ben local bu nekkon ci hôpital la bu ñu aménagé pour maladie dañuy dugulé pour nit ñi xol ko comme ça. Donc ñoo ngi dugg ci fi nga xamanteni dañu wara ngir maladie. Autorité ñoo ngi visiter pièce par pièce. Ce sont des chambres d'une aménagée. Donc ci ñu ko défé chambre bu nek da fay am climatiseur, am frigo pour que mu mëna dem ci yenn yi ñi soxla, am télévision. Ils ont les pour gants, masques, avec quelques bagages pour mon équipe, avec ben là. Donc, ils l'ont donc aménagé. Donc, climatisation bien là. Amne gel, amne les plis à commencer ni de notre sol. Donc, chambre bonne équivalent de l'île même là. Bagages à ni. Personnel soignant bien mené de boutique, tout de possible, frigo, vous avez vu ça, vous n'avez pas de amener toilette. Donc ñoo ngi suñu visite bi ba tay mais dañ koy def par étape. Donc là c'est les deux salles communes. Moi, je suis là.
Donc, dans la chambre, tamit ñi ngi ni comme bé rek climatisation li li bu ñu défar ba paré am tamit frigo am table pour le patient bi am tamit ben toilette. C'est la même chose pour chambre numéro 4 bi climatisation. Voilà, donc on vient faire son traitement et après on sort par là. La porte de sortie. On a 4 places de l'hiver avec toilettes et toilettes et 2 grandes places. C'est bon, on a fait une année de nous sommes dans la 5e salle, comme Bérec, nous avons des matériels, télévision, table, climatisation. Nous avons pratiquement des matériels, mais nous avons isolé les matériels. Nous avons des matériels. Nous avons accès à des filles tant que nous avons une sécurité. Nous avons des vitres, aluminium et des câbles. C'est un matériel. Nous avons gagné à l'hôpital Fadjo Badem de Dodge Hamdara. Bien visiter les locaux où on avait fait la remarque pour étanchifier davantage le bâtiment. Mais ici, c'est juste une unité de soins intensifs. Normalement, il ne va pas admettre des maladies initialement. Ce sera plutôt les deux bâtiments qu'on va visiter tout à l'heure. Donc, la visite aussi, il ne faut pas rester dehors. J'ai vu une... Parce que les patients sont libres, hein, ils ne sont pas obligés de rester dans le sac. Oui, oui. Il faut aller visiter également. Donc après bo guéné sorti maladie gis nga ouvrier ñi ngi liggéey pour que ñu mëna isoler direct moy fini recaser nit ñi ñep isolé rek mëna la isoler nga duggu guen té do am ak ben rapport ak wa hôpital donc gis ngeen travaux ba tay bay la pharmacie des journal docteur Fek est en train de faire une coupe contre la montre pour livrer les derniers éléments. Donc on est en train de ok, il y a au niveau de la réanimation, il y a des appareils de respirateurs. Mais pour le moment, le gouvernement n'est pas désigné comme centre de prise en charge des cas graves. Dans l'organisation du système, les cas graves sont pris en charge dans des endroits indiqués. Et l'UGA pour le moment n'en fait pas partie. Maintenant, on ne le souhaite pas. S'il y a une évolution défavorable, le ministère a prévu, en tout cas l'équipe qui était là vendredi dernier, a prévu ici que ça devienne l'endroit de prise en charge des cas chauds parce qu'il y a un circuit d'oxygène en place où on pourrait mettre des respirateurs rapides. Et l'extension probable, c'est vers les deux services de l'autre côté qu'on pourrait même visiter qui ferait passer le nombre de lits de 10 à 53. On pourrait rapidement visiter ces deux endroits si vous voulez. Il y a une perspective de mettre en place un laboratoire. C'est ça. Pour que les tests se fassent localement, pour que ça soit envoyé à Touba. On est en train de régler. Le MPR est en train de s'en occuper. On pourrait aller. Donc, qui donne wax légui moy directeur au hôpital daf len wax que ni fiñu visiter légui mom moy chambre chaud yi nga xamanteni ni yenn malade yi ñëk ñëw feen len ni hospitaliser so gisé lutax amul respirateur moy habilité guñu à traiter des cas graves donc ñaanu ñuko yalla waye ñom ñu koy prévoir iso ambulance bi mom lañ mettre exclusivement pour centre de traitement bi donc ñom bu féké que ni dem na ñaan ñuko yalla bam ka grave ci réñuy dogo xol nan lañ ñi gérer lolu mais amane nañ benen ñaari bâtiment mettre à la disposition ce comité bi géré maladie té mu nekk fé mo nekk né ngeen gis yu bé siñ tabax ak étage yi
ba nga xam mën nañu am 53 lits ñaan ñuko yalla donc ñi ngi xol bu fekke ni den ag fofu nan lañ koy gérer ben bi stop moy ñi ngi mettre en place tamit ben laboratoire buy permettre fi à partir de Louga ñu tester fi des prélèvements ay test ou réñu dem ba Dakar à partir de Louga comme ni ñi défé Institut Pasteur ñu mën fay traiter nga xam den mëna jël en charge rapidement beaucoup de choses. Donc pour ñi nga xam ñom ñoo gëj Louga gis nga bâtiment yi ay bâtiment yu bess la yu ñu tabax pour hôpital bi c'était pas prévu pour ka bi ni dañ ko tabaxone exclusivement pour extension hôpital bi ak service yu bess donc mais comme que mbass mi ñew na ci digënté bi ñom dañ ci profito walé aménager ko pour lool donc gis ngeen service bi service bu bess la service bu dogo ñew ci hôpital dañ ko tabax mu bess donc yépp dañ ko tej lepp bess na té ba faré service bu fermé la donc ñom ñi ngi xalat ken fi dañ ci mëna def ben centre bu leen permettre ñu indi fi ay malade donc mom lañuy ki ni on va écouter le plus ou moins compliqué. Mm-hmm. Et si les malades les plus stables. Mm-hmm. Donc la zone va être délimitée comme on l'a fait là-bas en deux parties, mm-hmm. zone verte et zone rouge. Et cette section fera partie de la zone verte. Mm-hmm. Et les patients seront de l'autre côté. Mm-hmm. Donc de l'autre côté, ils auront la liberté de circuler. Mm-hmm. Et dans les salles, il y a des salles à 3 lits, il y a des salles à 2 lits et des salles à 1 lit. Mm-hmm. Donc avec prévu toilette intérieure, télévision et réfrigérateur. Donc, il y a également des salles réservées au stockage des ressources, tout ce qui est déchets. Voilà. Et cette partie verte sera donc utilisée par le personnel soignant pour pouvoir se retrouver, s'habiller, stocker tout ce qui est matériel et médicaments. Donc quand ils pensent de s'habiller, ils vont entrer par là, parce que toute cette partie-là sera délimitée, ils vont entrer par là pour faire le travail. Et en sortant, ils ne vont pas ressortir par la même porte. Ils vont sortir de l'autre côté pour se faire désinfecter et ensuite rejoindre la zone verte. Donc ces deux bâtiments qui comptent une capacité totale de 43 lits, mm-hmm. plus les 10 lits là-bas, ça fera une capacité totale du centre de 53 lits. Voilà. Donc c'est la zone d'extension que nous allons après installer. Donc je pense que les procédures sont en cours pour l'installation de cette zone. On ne souhaite pas en arriver là. Mais bon, gouverner c'est prévoir, c'est vous qui le dites. Effectivement. Donc on prévoit ça en priant pour qu'on n'en arrive pas. Voilà. Maintenant, si les choses se tassent, on se contente des 10 lits. Tout le monde rentre chez lui. Voilà. C'est ça notre prière vraiment. Mais comme on est dans des positions où on doit prévoir les choses, le ministère dans la mission de vendredi a visité. Ces deux bâtiments qui étaient initialement prévus pour abriter le service de cardiologie et là-bas le service d'orthopédie. Et c'est des bâtiments qui viennent d'être réceptionnés. Maintenant, si jamais vraiment la priorité se présente, c'est l'urgence, on va convertir rapidement pour en faire un centre de prise en charge jusqu'à ce que l'épidémie s'éteigne. Voilà, donc voilà un peu la situation, mais on prie en tous pour que vraiment on n'en arrive pas là. Le directeur de l'hôpital a une santé exclusivement pour ouais, comme Mbass mi ñëw na dañ koy aménager rek daf ko ay centre pour maladie donc so xolé fi den ci aménager 43 lits fekk ci 10 lits yeñ ñukon def donc Louga dina mëna am capacité recevoir 53 patients fini moy pour personnel soignant bi lele mom moy nek pour malade bi chambre yi ngeen gis ni ben bu ci nek amna salle de bain amna toilette pour que maladie mën ko gérer té mëna dem fac ay besoin sans pour autant ñu am en contact ak personnel soignant bay ak ñi nga xamanteni ñom ñoo fi ñom ñoo yé ni fac wala ñi nga xam ñoy ñew di fac yenen pathologie ci hôpital bi donc lool mo nekkon visite du site de traitement donc voilà quoi.
Donc batay ñi ngi ci visite bi ñaari lo lañ ko def ñi dugg ne mom moy deuxième lo bi parce que comme que c'est un dafa ambigu dañ ko def non gisoo ni ñu espacer le préfet le gouverneur médecin chef région bi gisee ni ñu espacer donc dañu def benen deuxième lo pour ñu permettre leen ñom ñu visiter donc liñ mëna noter mom moy que ni ak rythme bi ñi liggéey centre bi ngeen gis mo nekk ne centre à chaud nga xamni dañ ci mëna traiter 10 li isolé dañ ci hôpital bi moy taba moy travaux connex ye ngeen gis ci wet bi moy que ni dañu bëgg ñom tamit malade bu nekk ñu mën la duggal ci kenn du la gis hospitaliser la te kenn du la gis am tamit fuñ lay désinfecter parce que personnel soignant bi dañu wara ñibbi sen ay njabot dañu wara duggat ci hôpital bi tamit pour mëna fajj yenen pathologie donc mom motax ba gisso dañ cey def de telle sorte que da fay am benen dispositif ñu mën la désinfecter nga mëna gëné sans pour autant daray doomu jangoro continuer ko donc travaux yoy lañuy def té ak rythme bi ñott nañ ko ni dina mëna paré d'ici ngone centre bi opérationnel maximum plus tard suba donc ñom ñi ngi nek en chantier xana ñu may touti rek deuxième lot bi def visite au chantier yi ba paré avant ñuy dog dem ci benen site.